Family, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouveau format. Comme vous le voyez les gars, on reste chez nous. Et donc le seul format qui m'est venu à l'esprit, c'est bien sûr le podcast. En espérant bien sûr que ça motive les autres membres de la Team S3 à eux-mêmes faire leur podcast. Oh, ok. Au cas où tu te poserais la question, mon petit pote, ici les gars, bah c'est pas chez moi. Avant l'annonce de Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. On va tous mourir. Eh bien bah je faisais le bon samaritain, garder un petit chat. Le petit chat. Oh alors mon cher, tu kiffes être avec moi ? On bat les couilles frère. Donc voilà, parenthèse close, au cas où tu mettrais dans les commentaires stylé ton appart Andreas, bah voilà, c'est pas le mien. Pour ce premier podcast, je voulais faire une vidéo dédiée au Stay at Home Challenge. Car en vrai, j'avais trop la flemme de le faire moi-même. Et surtout les gars, on a tous vu cette vidéo de personnes qui s'embrouillent pour du PQ. Et comme j'ai pas bien fait mes provisions, je vais pas m'amuser à jouer avec du PQ, que j'en ai pas beaucoup en fait. Faut que j'en garde, sinon après je serai dans la... Même une merde, ça vit mieux. Après, il y a eu tellement de vidéos avec le PQ que j'avais encore plus la flemme de les télécharger et de faire un montage avec. J'avais la flemme. Ouh yeah. Du coup, bah j'ai fait le mien. Et ensuite, j'ai vu cette vidéo. Bon, on arrête ce challenge avec les PQ là. Donc c'est pour ça que vous êtes tous battus là pour... Pour acheter du PQ, c'était pour jongler avec. On garde notre dignité. C'est pas parce qu'on est enfermé en confinage qu'on doit faire n'importe quoi. Nous sommes des êtres humains. J'ai 30 ans, moi, je suis marié. Vous êtes fous, quoi. Le virus, il est en train de se foutre de notre gueule. Et là, il est en train de se dire, mais pourquoi je les tue pas tous, en fait? Il va tous nous tuer à cause de vous. On jongle avec du PQ, vous avez quel âge? Stop ce challenge-là. Hakim, Gemini, mon gars, t'es trop... Super, sublime, excellent. J'attends tes vidéos tous les jours comme un épisode de Game of Thrones. One word and I hit you again. Bon, j'ai quand même fait un peu le taf, je vais te mettre quelques vidéos. Du tout le délire de quarantaine, hein. Je suis dans mon jardin, rien à faire. Sale. Aussi les gars, je me suis dit que j'allais en profiter dans cette période de confinement pour me perfectionner au montage vidéo et plus précisément à l'utilisation d'un fond vert. Je me suis donc préparé et je suis parti au seul magasin d'ouvert en espérant trouver un semblant de fond vert, une lumière et un pied. Pour l'éclairage, ça s'est bien passé, j'ai trouvé une petite lampe de jardin. Le fond vert, bah on a fait ce qu'on a pu. Et au final, le pied qui tient cette caméra, c'est tout juste le rouleau du fond vert. Puis je lui ai même mis une option selfie. Pour ce qui est de l'utilisation d'un fond vert, à part me voir à Cuba. Pouvoir Russie, pas si bas. À la Doumec parce que ça me manquait. J'avoue ça me manque, j'espère que bientôt on pourra faire des challenges. Et de faire la version Wish de Masqué et de Jacob. Bah, au final, voilà quoi, je sais pas faire grand chose d'un fond vert. Mais j'ai appris à faire de l'autotune. C'est vraiment trop cool d'avoir de l'autotune. Et en plus les gars, sur mon iPhone, j'avais pas vu, mais j'avais une application qui s'appelle Vidéo où justement, bah, je peux faire des trucs de ouf. J'ai même fait un clip. Blank Beats Production. Pas besoin de mettre de but pour vous marquer. Dans le rap, je débute, dans mon art, je me suis démarqué. À l'aise, sur bitume ou bien sur parquet. Équipe certifiée par Pogboum et Tony Parker. Parcours les parquets en partant, en parcourir pour faire des choses sales. On a parcouru le monde, influencé le monde. Quand tu nous vois sur scène, on fout le bordel en moins de secondes. Ça fait Qatar, Paris, Italie, Indonésie. De la petite ville du monde jusqu'aux plages du Brésil. Europe, Afrique, Amérique, Océanie. On a parcouru le monde jusqu'au fin fond de l'Asie. Mais les panas de Panama, Panama, la suite c'est notre domaine. Le mandat des mondes limité, ce sera pas la même. Street style, équipe de phénomène. Même les anciens freestylers sont mes jeunes padawan. Ouais mon gars, sur la tête de Wam, ça fait 10 piges qu'on est alcool, ça fait long time. Légende du style, du flow et des panas. Créatif, technique, show, ça vient de Panama.
quel point je galère, je sais plus quoi faire. Après ce clip là mon gars, j'ai décidé de moi-même faire un son. Mais pas n'importe lequel. De l'autotune, utiliser un fond vert, avoir bricolé pour avoir un pied magnifique pour pouvoir filmer, une musique avec mon ballon. Bah après tout ça, je me suis dit que voilà, j'allais finalement faire un top 10. Ça se voit qu'il avait plus aucune idée. Avec en galère. Mais un top 10 des meilleurs panas de la team S3, mon gars. C'est parti. Numéro 10. Ok les gars, on commence le numéro 10, Jimino 104 et son célèbre Bam Bam. Et ouais mon gars, Bam Bam. Jimino numéro 10. Numéro 9. Toujours au 104 les gars. Annie mon gars. Numéro 8. Bryden, 3 fois champion de France. Regardez, Groun. Bam bam. Vous avez vu le lever de balle? Le Groun enchaîné le lever de balle. Chac. Numéro 7. Chrisito. Au Havre. Eh, celui-là il est vraiment chaud. Regardez bien ça. Je veux un ralenti. Hop, la petite tête. Talonnade Pana. Numéro 6. Ou Moss qui fait une feinte de frappe. Passement, cassement. Numéro 5. Trafi. Avec des gestes de Groun du turfu mon gars. Regarde-moi ça comment il est trop chaud. Je kiffe trop quand ça. Le cercle se casse comme ça. Quand ça fait du bruit. Regardez, il le déchappe wesh. Arrêtez, coupez. Numéro 4. Alors celui-là les gars, c'est vraiment trop chaud. On stoppe 2 secondes. Vous avez vu Sofiane Benkok, double pana. Le pire, vous savez, c'est quoi? C'est que Edgar Davids. Qui l'a invité. Il assume même pas. Et il voit le pana, il s'en va. Il prend la fuite, les gars. Il prend la fuite, il s'en va. Il est pas responsable de ça. Numéro 3. Celui-là, c'était longtemps, les gars. Longtemps, numéro 1 pour moi. Vraiment Sofiane Benkok, créativité, tout mon gars. Rah. Sofiane Benkok. Numéro 2. Incroyable. La famille, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, le fait coup du t-shirt, il arrive à la réceptionner, enchaîner le pana, mais c'est vraiment incroyable. Bon les gars, on passe au numéro 1. Je sais que tout le monde l'attend. Ça a été très compliqué de choisir le number 1 parce que vraiment, chez la team S3, les gars, il y a des panades malades. C'est parti pour le numéro 1. Avec une. Eh, celui-là, il est incroyable. Bon, incroyable, les gars. Celui-là, tu peux pas test. Je sais pas d'où il a sorti ce move-là. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Sofiane Benkok, il sort des panas du turfu. Vraiment, celui-là, fallait aller le chercher. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé ce petit top 10. Je suis trop fier d'être dans la team S3. Vous avez vu, j'ai pas mis de panas de moi. T'as vu, on essaye de rester modeste. La famille, sur Instagram, on va poster tous les panas jour après jour. Vous allez mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et on verra, les gars, c'est vous qui choisissez le meilleur pana. Et aussi, les gars, mettez-nous en commentaire si vous voulez plus de top 10 ou de vidéos dans ce style-là. Et si vous avez des idées, mettez en commentaire, les gars. Voilà, les gars, je pense que c'est la fin de ma vidéo. 2 semaines de confinement. C'est quand même assez ouf, franchement. Laissez-moi encore 2 semaines, je te jure, je vais te faire un album à la Jul. N'oubliez pas, tous les jours, on essaye de faire des lives avec la team S3 sur des fois les talk shows, des fois on fait du gaming. On joue à FIFA contre vous, on joue à FIFA contre des équipes comme le Sama United. Donc d'ici là, les gars, la recette n'a pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et surtout, mon gars, abonne-toi! C'est le podcast, yeah, c'est le podcast.
c'était le podcast.